Il y a tout le temps de la sensibilisation à faire par rapport à l'environnement. Depuis la fin des années 80, c'est là que les lois ont été mises en place. Puis les lois changent toujours, se peaufinent, autant du côté fédéral, provincial, municipal, par rapport à l'environnement. Ça m'a interpellée. Je voulais faire une différence. On me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais au port? Donc, une conseillère en environnement au port de Montréal, ça conseille nos, entre autres nos locataires, nos équipes internes sur les exigences environnementales. Une des premières choses qu'on fait, c'est la réglementation. Donc, on s'assure que nos locataires suivent la réglementation dans le cadre de leurs installations puis leurs activités. Puis nous, on fait le suivi des non-conformités puis des bonnes pratiques s'ils ont été mis en place par le locataire. Puis on les appuie là-dedans. Donc, c'est un partenariat avec nos locataires. C'est pas nous contre les locataires, c'est vraiment une plus grande équipe, si on veut dire, là. De plus en plus, les locataires, les industries sont très, très sensibilisées à l'environnement. Donc, oui, le port de Montréal, c'est un lieu très, très industrialisé, mais l'industrie maritime s'est pris en main puis a créé l'Alliance verte, un programme de certification environnementale pour l'industrie maritime. Le port de Montréal, c'est un membre fondateur de l'Alliance verte. C'est un port qui est très vert, finalement. On touche vraiment à tout en environnement. On va de l'arbre au sol, à l'air, aux citoyens, au bruit, tant dans le cadre de nos projets de construction, mais aussi une fois en opération. Par exemple, la réflexion du quai Alexandra. Dans le cadre de ce projet-là, on a dû faire une étude environnementale. Entre autres, avant de faire des travaux dans l'eau, il faut contacter Pêche et Océans pour leur demander s'il y a des restrictions par rapport aux poissons. S'il y a des espèces qu'on doit protéger, on les protège. Donc, nous, il faut déterminer, selon la loi, quel type d'études qu'il faut faire. Je suis née à Montréal, mais je ne savais même pas qu'il y avait un port à Montréal. Donc, je pense que c'est le cas de, peut-être de moins en moins, là, mais je pense que c'est le cas de bien des citoyens. Donc, on ne le voit pas vraiment, notre port. Si on n'entend pas beaucoup parler, c'est aussi parce que ça va bien. S'il y avait des déversements, s'il y avait des problématiques de poussière, s'il y avait des problématiques de bruit, ben, on entendrait plus parler, peut-être.